À tous, voilà, il est 14h02, on va commencer doucement le temps que chacun arrive. En tout cas, merci beaucoup à vous de vous être connectés pour ce temps d'échange autour des premiers éléments sur la future programmation PAC 2023-2027 sous l'angle des modalités qui vont plus directement concerner l'agriculture biologique. Alors déjà, peut-être tout d'abord, on va se présenter, mes collègues et moi, qui intervenons aujourd'hui. Donc pour ma part, c'est Élodie Bettencourt. Je suis chargée de mission à la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire, sur différentes missions, mais en particulier sur le dossier bio, en lien avec les collègues en département. Et aujourd'hui, pour nous présenter les éléments sur la future PAC, Franck et Mathieu, qui sont conseillers bio et conseillers PAC. Voilà, peut-être Franck, Mathieu, je vous laisse peut-être vous présenter dans un premier temps, et puis après on passera dans le vif du sujet. Oui, très bien. Bonjour à tous. Merci Elodie. Donc Franck Rieusset, conseiller d'entreprise dans le département du Cher 18. Plusieurs autres missions, et notamment l'un des deux référents PAC du département dans le Cher. Et Mathieu Hulin, je suis comme Franck, conseiller d'entreprise, mais dans l'Indre, donc référent PAC, en charge d'études de conversion bio et puis d'autres missions en parallèle. Merci. Alors, normalement, j'ai la main sur vos micros, mais pensez bien à couper votre micro. Comment va-t-on procéder? Alors, pour poser vos questions, vous pouvez le faire au fur et à mesure dans le chat, dans le volet discussion de Zoom que vous voyez sur votre barre des tâches. Ce qui est prévu, c'est qu'à chaque fin de séquence et fin de partie, on identifie quelques questions auxquelles on apportera des premières réponses en live. Et pour le reste, on vous fera un retour par écrit dans un second temps pour vous apporter de plus amples détails. Alors, en ce qui concerne ce webinaire, il est enregistré et il sera diffusé par la suite. Nous vous donnerons tous les éléments par mail, puisque vous nous avez laissé vos coordonnées en vous inscrivant. L'idée, là, c'est vraiment de vous donner un premier aperçu avec les éléments connaissants que l'on connaît à date, sachant que le plan stratégique national ne sera validé et vu que courant de l'été. Donc, les éléments ont déjà été travaillés et proposés par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation à l'Europe. Donc, c'est à partir de cette base-là que l'on vous propose de vous apporter des éléments d'éclairage, donc autour de trois temps. Le premier temps autour de la notion d'éco-régime et le lien avec la bio. Donc, comme je vous le disais, une petite séance de questions suite à cette première partie. Le volet également conditionnalité et le lien avec l'exploitation bio, quel impact sur l'exploitation? Et puis, la toute dernière partie qui concerne plus là le volet spécifique des aides à la conversion sur lesquelles on reviendra à la fin de cet échange. Alors, je vous propose que l'on commence sur le volet éco-régime. Et donc, c'est moi qui m'en Ah, charge. pardon, excusez-moi, il y a juste une question. Bonjour, bonjour Olivier. Non? Sur les... Bon. On va commencer. Pardon, vas-y, Franck. Oui, pas de problème pour les discussions, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on pourra y répondre plus largement après pour conserver du temps de présentation et éventuellement sur les questions principales ensuite. Donc, première partie sur les éco-régimes, l'exploitation certifiée en bio, est-ce un atout? Globalement, c'est un titre pour faire une approche sur le premier pilier de la PAC, de voir les principales différences entre la PAC d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui ouverte depuis 2015 jusqu'à cette année encore 2022, et la nouvelle PAC qui est prévue, la réforme, à partir de l'année prochaine. Donc, on va se concentrer là-dessus, principalement sur la principale évolution du premier pilier.
Vous avez le schéma là qui devrait apparaître normalement chez vous. La partie gauche, première colonne, PAC 2015-2022. Donc ça, tous ceux qui ont une exploitation agricole et qui demandent des aides, notamment découplées, ça doit leur rappeler quelque chose. On les redétaille rapidement. L'aide découplée était constituée de trois choses. La partie orange-marron en bas, paiement de base, les fameux DPB, droit à paiement de base, que vous touchiez un DPB par hectare sur votre exploitation, que vous activiez tous les ans lors de votre déclaration PAC. À peu près en moyenne nationale, on était à 115 euros par hectare. Et je parle bien de moyenne nationale. Les montants peuvent bien sûr différer selon chacune de vos exploitations. Vous aviez un complément qui était le paiement vert, qui, sous le respect de trois conditions, qui étaient diversité des cultures, 5% de SIE et maintien des prairies sensibles, vous donnait un paiement complémentaire qui était de l'ordre de 70% du DPV, donc en moyenne toujours nationale, 80 euros hectare. Le paiement redistributif à 48,52 euros premier hectare. Un petit complément pour les jeunes agriculteurs, pareil, plafonné, c'était 65 euros, je crois, pour 34 hectares, qui a été revalorisé un petit peu depuis. Et enfin, les aides couplées, donc là, selon les activités que vous aviez, les aides animales ou les aides végétales, protéagineuses, légumineuses, ou tout ce qui est abats, aide caprin, aide caprin, ovin, bovin, pour les principales. Donc ça, c'était le tout premier dit aujourd'hui. J'ai un écho de quelqu'un qui n'aurait pas coupé son micro, a priori. Coupez bien vos micros, voilà. Ce sera plus simple. Ça pourrait être plus pratique. Donc voilà pour vous situer quelles étaient les aides du premier pilier. Il y a donc une réforme de la PAC qui arrive pour l'année prochaine, PAC 2023. On va voir les principales évolutions qu'il y a dessus. Donc ça, c'est la deuxième colonne de droite. On voit que la partie paiement de base est globalement revue à la même chose. Les DPB sont maintenus et continuent pour la nouvelle PAC. Leur non-chance, on sera plus sur droit paiement de base, mais on va l'appeler l'aide de base de revenus pour un développement durable. Ça va être effectivement la même chose. Les montants devraient être sensiblement similaires, toutefois en moyenne. Après, entre les phénomènes d'évolution du budget de la PAC, des convergences et de votre écart actuel à la moyenne, il pourrait y avoir des réajustements individuels sur votre montant de base du DPB. Une des règles générales seront assez difficiles à faire en fonction de là où est-ce que vous êtes situé aujourd'hui. La partie bleue, l'aide redistributive aux premiers hectares, celle-là ne change pas, est maintenue à l'identique, donc toujours 48 euros sur les 52 premiers hectares. Vous avez la partie bleue en haut sur les aides couplées. Globalement, c'est le même principe, elles sont maintenues, qui est donc légumineuses, protéagineuses, ovin, bovin, caprin, avec une nouveauté qui ne sera pas détaillée dans cette vidéo, qui est le mode de calcul de là-bas, l'aide aux bovins allaitants, qui avant était sur le nombre d'animaux, et maintenant on passe sur un calcul au nombre du GB. Voilà, le détail de calcul pourrait se faire l'objet d'une vidéo à part entière. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Ça pourrait être détaillé dans d'autres présentations par la suite, mais pas dans celle-ci aujourd'hui. L'aide aux jeunes agriculteurs va être légèrement revalorisée. Ce sera un forfait. Et va y avoir l'apparition de programmes opérationnels également dans ce premier pilier, dont on n'a pas encore les détails aujourd'hui. Voilà pour les principales parties du premier pilier. Et vous auriez pu noter que je n'ai pas parlé de la partie verte. C'est ça qui va être le principal changement de la réforme de la PAC 2023 sur le premier pilier. Le premier de ce changement, enfin la première partie, c'est donc la partie gauche, le paiement vert, qui je vous l'ai dit était 80% de votre DPB, est supprimé. C'est-à-dire que le paiement de ce paiement vert, il ne sera plus là demain. Donc la moyenne de 80 euros hectare sera perdue par les exploitations. Mathieu Bulas, mon collègue, vous pourra vous parler des les trois conditions, de qu'est-ce qu'elles deviennent dessus. Mais en termes de paiement, votre aide découplée perdra ce paiement vert et de ces 80 euros par hectare en moyenne nationale. Mais il y a quand même une case sur la PAC 2023-2027, une case verte. C'est le mot dont on entend depuis quelques mois, qui est fait la grande nouveauté, qui est les programmes climat-environnement qu'on appelle éco-régime, qui ne va pas remplacer les paiements à l'identique, qui ça va être un peu plus compliqué que ça, pardon, et c'est ce qu'on va voir dans la diapo suivante, pour pouvoir accéder à l'éco-régime. Donc, vous avez tout le tableau de présentation de qu'est-ce que c'est que l'éco-régime.
comme le titre l'indique, vous avez trois colonnes qui sont trois voies différentes d'accès à ce fameux éco-régime et deux lignes, c'est-à-dire deux niveaux de paiement. Là, ce sera à charge à chaque exploitant qui touchait les aides découplées de voir, entre guillemets, dans quelle case il va se situer pour savoir quel va être son prochain paiement qui serait le remplacement du paiement vert. Donc, on va détailler un petit peu toutes ces cases et quels vont être ces paiements et voir après où est-ce que vous allez vous situer, notamment les exploitations. Donc, on va aller de droite à gauche. On va prendre la dernière colonne, les IAE. Alors, les IAE, c'est ce qu'on entend depuis quelques temps, notamment dans le cadre HVE ou autre, c'est tout ce qui est les infrastructures agroécologiques. La liste n'est pas encore forcément définitive, mais c'est tout ce qui peut être les murets, les jachères, les haies, les bosquets, les mares, ou tout autre élément topographique qui ne sont pas de la production agricole, qui peuvent être présentes sur vos exploitations, sur votre exploitation tout simplement. Et l'idée, c'est d'en avoir une certaine quantité sur l'exploitation, c'est-à-dire au prorata de votre SAU total de l'exploitation, et selon leur nombre, vous allez accéder à un certain niveau de paiement. Donc, comme les cases l'indiquent sur la droite, prenons le niveau 1 par exemple. Si vous avez entre 7% et 10% d'IAE, donc d'infrastructures agroécologiques sur votre exploitation par rapport à votre SAU, eh bien, vous atteindrez au premier niveau de paiement. Si vous êtes supérieur à 10%, on est dans la case en bas à droite, vous passerez au second niveau de paiement. Donc, tout dépend de ce que vous avez aujourd'hui ou ce que vous pourriez avoir demain en termes d'infrastructures agroécologiques sur vos exploitations. Ça, c'est la première voie pour accéder à l'éco-régime. Premier choix. Deuxième choix, ça peut être la partie du milieu, certification. Pareil, là encore deux niveaux, en fonction du niveau, on va dire, de certification que vous avez. Vous avez le niveau 1 qui est la certification environnementale de niveau 2. Aujourd'hui, on entend souvent les certifications environnementales niveau 1, 2 et 3, bon, effectivement dans le cadre d'HVE ou autre. Là, le niveau 1 de l'éco-régime peut être obtenu en ayant le niveau 2 de la certification environnementale. Donc, on ne confond pas les niveaux entre niveau de l'éco-régime et niveau de certification environnementale. Si vous avez le niveau 2, ce n'est toutefois pas suffisant. Il vous faut, un 2+. Le plus, qu'est-ce que c'est? C'est une des thématiques que l'on retrouve dans HVE, qui est la biodiv, la ferti, l'irrigation ou les phytosanitaires. Et vous devez atteindre le respect d'une de ces thématiques qu'on voit dans la certif environnementale niveau 3 ou HVE. Il faut en respecter une des quatre, en plus d'avoir le niveau 2. Si vous respectez ça, c'est-à-dire niveau 2 plus une des thématiques du niveau 3, de la certification environnementale, vous obtenez le niveau 1 de la certification de l'éco-régime. Ça peut être un petit peu flou avec les différents niveaux. On joue bien sur les deux tableaux, mais la diapo synthétise bien les choses. Et vous aurez bien sûr le visuel qui permettra d'avoir ça sous les yeux pour plus facilement s'y situer une fois que vous serez bien imprégné de la chose. Donc ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est le niveau au-dessus en termes de certification. Il y en a deux possibles. C'est HVE, la haute valeur environnementale. Votre exploitation est HVE, vous atteignez le niveau 2 de la certification. Ou bio, l'agriculture biologique. Et c'est là où il faut être assez vigilant pour les agriculteurs bio. C'est bien marqué 100% de votre SAU qui doit être en agriculture bio ou en cours de conversion, c'est-à-dire vous avez fait des démarches auprès d'un organisme certificateur pour convertir l'intégralité de votre SAU. Si vous êtes à 50%, que les cultures par les prairies ou qu'une surface, on va dire les 66 hectares qui pourraient correspondre au niveau d'aide subventionné par la PAC avant, vous n'êtes pas dans cette case-là. Donc, très vigilant à ceux qui sont mixtes en bio, qui ont la SAU que partiellement bio. Parce que vous ne vous retrouvez pas dans cette case, il faudra donc savoir dans quelle case effectivement vous vous retrouvez. Ceux qui sont 100% de la SAU en bio, vous avez le niveau 2, entre guillemets, d'office. Toutefois, si vous maintenez effectivement votre certification à l'agriculture biologique. Voilà quelle était la deuxième voie possible d'accès pour l'éco-régime. Infrastructure en premier, certification présentée en deuxième. Vous avez une troisième possibilité si vous n'avez ni certification sur votre exploitation, ni infrastructure agroécologique, ou en tout cas dans un nombre insuffisant. Il y a la troisième voie qui est intitulée pratique agricole. Donc, pratique agricole, ça va résumer des choses assez vastes qui vont être réparties en trois catégories selon ce que vous avez sur votre exploitation.
Il y a les trois cases de couleur, la marron surface en terre arable, si vous avez des surfaces en prairie permanente et si vous avez des surfaces en culture permanente, arboriculture, viticulture par exemple. Pareil, dans chacune de ces cases, il y a le niveau 1 et le niveau 2 de l'éco-régime. Vous avez par exemple, pour les surfaces en prairie permanente, ce qui va être regardé en termes de pratiques agricoles, ça va être le labour. Est-ce que vous labourez ou non vos prairies permanentes? Et vous voyez qu'il va y avoir un certain seuil à ne pas labourer pour atteindre le niveau 1, qui va être de 80%. On est bien, c'est-à-dire qu'il faudra, d'une année sur l'autre, ne pas labourer plus de 20% de vos prairies permanentes que vous avez pour pouvoir accéder à ce niveau 1. Si vous voulez accéder au niveau 2, les pratiques restent les mêmes, c'est le pourcentage uniquement qui change. Au lieu que ce soit 80% maximum, c'est 10% maximum, ou à l'inverse, 90% de non-labour. En termes de calcul, c'est effectivement une référence aussi par rapport à votre total de prairies permanentes que vous aurez eu à la déclaration PAC de l'année d'avant. Cette mise en place là de ces ratios va être en place pour 2023. On va donc comparer à votre taux de labour de prairies permanentes en 2023 par rapport à votre total que vous aurez en 2022 de prairies permanentes. Et au fur et à mesure des années, à chaque fois, vous décalez d'un an par rapport à votre total que vous avez. Si vous avez des surfaces en culture permanente, type arbo, toujours au viti, là, ce qui va être regardé, c'est les couvertures végétales que vous aurez entre vos rangs. C'est trois quarts de l'interrang qui est en couverture végétale, vous accédez au premier niveau de paiement et le seuil atteint 95% de couverture végétale pour atteindre le niveau 2. Et enfin, les dernières choses, si vous avez des surfaces en terre arable, hein, tout ce qui va concerner tout type de céréales, enfin, les scopes d'une manière générale, il y aura un grid de scoring que l'on va voir juste après, où il faudra avoir un certain nombre de points pour atteindre le niveau 1 et 2, et comme vous le voyez sur la diapo, 4 points ou 5 points pour effectivement obtenir ça. Donc voilà globalement quelles sont les trois voies d'accès et les deux niveaux de paiement. Les deux niveaux de paiement, vous avez pu le voir également sur la diapo, les chiffres, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ça peut être susceptible de varier effectivement de quelques euros. Le premier niveau de paiement est à 54 euros hectare et le deuxième niveau de paiement est à 76 euros par hectare. Donc, en termes d'impact économique, ça peut jouer sur vos exploitations. On a vu tout à l'heure que le paiement vert, qui en moyenne nationale, était de 80 euros par hectare. Donc, globalement, ça peut être une petite baisse si vous atteignez le niveau 2. Je dis bien globalement, il faudra bien sûr faire le travail au cas par exploitation à partir de la valeur actuelle que vous avez de votre paiement vert basée sur votre DPB. Si vous atteignez le niveau 2, que ce soit par la voie pratique agricole, certification ou infrastructure agroécologique, vous devriez être sensiblement sur le même niveau de paiement qu'avant. Si vous êtes au niveau 1, vous voyez que vous perdez plus de 20 euros par hectare. Et si vous êtes dans aucune de ces cas, c'est-à-dire ni niveau 2 ni niveau 1, eh ben, il n'y a pas de paiement complémentaire et c'est là où on revient sur la perte du paiement vert de 80 euros par hectare. Donc, si vous avez une exploitation où il y avait 200 hectares avec 200 DPB, vous perdez 80 euros fois 200, ça commence à faire des impacts relativement importants sur les exploitations. À charge à chacun de savoir, en termes de remplacement de ce paiement vert, dans quelle case, entre guillemets, par quelle voie il va accéder à ce nouveau paiement qui est mis en place, l'éco-régime. On choisit l'une de ces trois voies et en fonction des résultats, le niveau 1 ou le niveau 2. Vous êtes engagé annuellement dans l'une de ces voies, c'est-à-dire qu'en 2023, vous pourrez choisir pratique agricole. En 2024, ça pourra être une autre des voies. Ce qui compte, c'est que chaque année, vous respectiez au moins l'une des voies, si vous voulez bien sûr atteindre un niveau de paiement. Autre chose importante à noter, si vous n'êtes ni en IAE ni en certification, mais au niveau des pratiques agricoles, ce que l'on va voir, ça va être d'anticiper un an à l'avance, c'est-à-dire pour cet été 2022, comment vous allez atteindre l'éco-régime pour pouvoir anticiper notamment votre assolement si vous choisissez la voie pratique agricole, que l'on va détailler dans la diapo juste après. Voilà donc la grille de scoring. On est, pour rappel, dans la première voie de certification de l'éco-régime, pardon, donc qui est les pratiques agricoles, si vous avez effectivement des terres arables. On a vu qu'il fallait avoir 4 ou 5 points pour atteindre respectivement niveau 1 et niveau 2. Qu'est-ce qu'ils entendent par pratique agricole sur les terres arables? Globalement, c'est votre assolement. Donc, la diapo est effectivement un petit peu barbare dans un premier temps.
Mais l'idée, c'est d'avoir des cultures de différents types sur votre exploitation pour gagner des points et atteindre ces fameux seuils de 4 ou 5 points. On va prendre le milieu de la diapo, où vous voyez les couleurs un peu plus claires, tout ce qui est céréales d'hiver, printemps, oléagineux d'hiver ou oléagineux de printemps. Je vais y arriver. Si vous avez une culture de chaque sur votre exploitation, vous voyez effectivement à droite, vous avez 4 points. Les 4 points qui suffisent à avoir le niveau 1. Si toutefois vous voulez avoir le niveau 5, le niveau 2, c'est-à-dire à 5 points, il vous faudra avoir d'autres types de cultures sur vos terres arables. Donc on peut voir à la première ligne, si vous avez des prairies temporaires ou des jachères, vous pouvez avoir des points complémentaires. En bleu-violet, en deuxième ligne, vous pouvez avoir des plantes fixatrices d'azote. Vous pouvez avoir un bonus en plus sur les prairies permanentes si vous en avez, ou si vous avez des cultures très spécifiques, comme en bas, tout ce qui peut être légumes, riz, champs, etc., sur vos terres arables. Je répète donc, pour pouvoir planifier, si vous choisissez cette voie-là pour la PAC 2023, il faut dès cet été, ou éventuellement plus en amont, la préparation de votre assolement. Ce ne sera pas l'heure de la déclaration PAC en 2023 qu'il faudra réfléchir à l'assolement pour atteindre les 4 ou 5 points. C'est dès la mise en place de vos cultures pour cette année, voir dans quelle case, effectivement, vous allez tomber. Donc, voilà comment vous obtenez vos points. Et à chaque fois, bien sûr, sur chaque culture, il ne suffit pas d'en faire 1, 2 ou 3 hectares. Il demande un minimum par culture qui va être un pourcentage de l'ensemble de vos terres arables. On voit à chaque fois le pourcentage minimal pour la plupart des cultures, c'est 10%. DTA, TA, terre arable. Donc, si vous avez 200 hectares, par exemple, ça représente 20 hectares par culture pour pouvoir effectivement y arriver. Voilà pour la grille de scoring, pour atteindre ce qu'il faut, niveau 1 ou niveau 2, en tout cas, pour la grille de l'éco-régie. Si toutefois, sur votre exploitation, toujours pareil, si vous choisissez pratique agricole, si vous avez à la fois des terres arables, à la fois des prairies permanentes et éventuellement des cultures pérennes sur votre exploitation, vous pouvez avoir, entre guillemets, niveau 1 et ou niveau 2 pour chacune de ces trois cases-là. Ce qui a été retenu par l'administration, c'est la voie la plus faible qui sera retenue dans les pratiques agricoles. Donc, supposons qu'en terre arable, vous avez niveau 2, pour les prairies permanentes, vous avez niveau 1, et pour les cultures et pour les productions permanentes pérennes, vous êtes également niveau 2. Comme vous étiez niveau 1 pour les prairies permanentes, ce sera le niveau 1 du paiement qui sera retenu. Voilà. Il n'y a pas ce problème côté certification et IAE. Là, c'est très binaire. J'ai la certification correspondante, je suis niveau 1 ou 2. J'ai un pourcentage d'IAE de l'autre côté, je suis niveau 1 ou 2. En termes de compréhension et de positionnement, c'est très binaire. On a le résultat et on sait où est-ce que vous vous situez. Voilà concernant la principale évolution des aides du premier pilier. Pour récapituler, suppression du paiement vert, perte de 80 euros par hectare en moyenne, remplacement du budget dans la mise en place de ces éco-régimes-là, éco-régime dans lequel il faudra choisir quelle voie d'accès vous avez et en fonction de votre exploitation et de vos futures pratiques, d'avoir le niveau 1 ou le niveau 2 qui correspond à deux niveaux de paiement. Diapo suivante, s'il te plaît, Lodi. J'en ai fini avec celle-là. Et donc, pour conclure, voilà ce qu'il en est pour les éco-régimes. Et je répète, on anticipe. Ce n'est pas lors de la déclaration PAC 2023 qu'il faudra savoir dans quelle case vous êtes, surtout si vous choisissez la voie pratiques agricoles, où c'est dès cet été, voire dès maintenant, qu'il faut regarder dans quelle case vous allez être touché. Concernant les agriculteurs bio, ceux qui ont 100% de la SAU, on l'a vu, éco-régime niveau 2 par défaut, tant que vous maintenez en place votre certification au cours des années, pas de changement majeur pour vous lors de cette nouvelle PAC, lors de cette réforme de la PAC avec leur mise en place de l'éco-régime. Il y a entre guillemets un atout, il n'y a pas à changer quelque chose, en tout cas pour ces aides du premier pilier. Grosse alerte sur les agriculteurs qui ont leur SAU partiellement en bio. Je le répète, ils n'ont pas dans le cas de niveau 2 et ce n'est pas reconnu ailleurs. Donc, il faudra qu'ils adaptent leur exploitation, si en tout cas ils veulent un second niveau de paiement. Soit c'est de convertir le reste de la SAU ou soit c'est de rentrer dans les cases pratiques agricoles ou IAE en fonction.
Voilà pour ma partie éco-régime. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques questions également dans le chat. S'il y en a qui me concernent, on peut y en répondre quelques-unes directement. Sinon, vu selon leur nombre et le temps qu'on va avoir, comme vous l'aviez dit, on fera un compte-rendu de tout ce qui aura été écrit et des questions posées pour pouvoir répondre aux questions par la suite. Merci beaucoup, Franck. Il y a quelques questions. Alors, Mathieu a commencé à répondre, mais pour permettre à tout le monde de l'avoir bien en tête, c'est pour revenir justement sur cette subtilité de la certification bio et du niveau d'atteinte de l'éco-régime. Donc, il y avait une question concernant le cas où on aurait une exploitation bio avec 100% des surfaces en bio, mais des ateliers en conventionnel. Comment ça se passe dans ce cadre-là pour le niveau de l'éco-régime? Donc, des ateliers animaux, je suppose. Oui, c'est ça. On regarde la SAU, effectivement. Qu'importe, on parle bien de l'éco-régime. On ne parle pas d'éventuelles aides, conversions et autres qu'Elodie nous déterra tout à l'heure. En se situant bien sur l'éco-régime, on regarde la SAU. Est-ce que c'est bio ou pas? Qu'importe les animaux. Parfait. Donc, vous avez 100% de votre SAU bio, vous accédez le niveau 2. Ok. En espérant avoir été plus clair et avoir répondu à la question à la personne. Il y avait aussi une question concernant la prise en compte des cultures associées parmi les pratiques agricoles, j'imagine. Légumineuses, céréales, par exemple. Et donc, quelle était la question? S'il y a des mélanges, dans quel cas ça va être... Je pense que c'est ça la question, à part si Ludovic Calu souhaite préciser. Alors, je pense que dans tous les cas, on n'aura pas la réponse aujourd'hui à tout ce qui pourrait être mélange, étant donné en plus dans les déclarations, ça change effectivement chaque année. Je peux supposer, je mets quand même des guillemets, on sera plus précis lorsqu'on aura davantage de réponses dessus, sur les cultures associées, sur les mélanges notamment, et de voir quelle va être la culture principale qui va être dessus pour savoir si ça va compter. Par exemple, pour une plante fixatrice d'azote, si on est sur un mélange avec majorité luzerne ou trèfle, on était dans le cas où vous aviez accès à l'aide couplée dessus en termes de légumineuses ou protéagineux. Nous verrons ce qu'il en sera là pour la plante fixatrice d'azote. On pourra davantage préciser par la suite. On n'a pas la réponse définitive non plus. Je suppose que ça pourra passer. Pendant que Franck était en train de présenter, j'ai été voir sur un diaporama de la PCA et il est noté que tout ce qui est légumineuses, fourragères ou protéagineux dominants mélangé avec des céréales, ça rentre dans les plantes fixatrices d'azote. Par contre, si c'est des mélanges de légumineuses fourragères avec des graminées fourragères, là, ça rentre dans les prairies temporaires. Merci. Donc, on rejoint en fait ce qui est plus ou moins éligible aux aides couplées lorsqu'on demande une aide, lorsqu'on demande l'aide couplée dessus. Complètement, oui. OK. Alors là, je pense que ça va, on a, Franck, tu as déjà en partie répondu, mais ça peut peut-être réexpliciter les choses. Le cas par rapport justement à l'éco-régime, le cas où on aurait une exploitation en céréales bio et avec des vignes conventionnelles, dont l'interrang n'a pas de couverture végétale, comment ça se passe pour l'exploitation pour atteindre l'éco-régime? Donc, on va supposer que ce soit sur la même structure juridique. Vous avez les cultures en bio, mais pas les vignes. Donc, il n'y a pas les vignes, ouais. La SAU qui est bio. Donc, la recertification ne peut pas être dedans, premièrement. Donc, ensuite, soit ce sera par les DAE ou soit ce sera par la voie pratique agricole. Et pratique agricole, s'il n'y a donc pas de couverture inter-rang, on atteint donc pas le seuil des trois quarts. Du coup, c'est le niveau entre guillemets zéro. On atteint ni le niveau 1 ni le niveau 2. Et c'est celui-là qui sera retenu, qu'importe les pratiques agricoles que vous faites sur les terres arables. Ça passera à la trappe. Donc, on revient à la grande vigilance sur les bio avec de la SAU mixte entre conventionnel et bio. C'est là où ça pourra être. Où il faudra être vigilant. Et on est effectivement dans un cas de figure où s'il n'y a pas de couverture inter-rang dans vos vignes,
En tout cas, le premier seuil est à trois quarts de couverture inter-rang. Vous êtes au niveau zéro, donc il n'y aura pas de paiement. En tout cas, à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de changement, à l'heure actuelle, il n'y aura pas de paiement ni niveau 1 ni niveau 2. OK. Bon, ce que je vous propose, c'est que l'on passe peut-être à la suite. Et puis, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les remettre dans le chat. Soit, en effet, ce sera répondu au fur et à mesure. Et de toute façon, on vous en fera une synthèse. Et on essaiera d'apporter le plus d'éclairage possible dans un second temps. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à la suite sur le volet conditionnalité et laisser Mathieu nous présenter les éléments. Donc, Franck nous a parlé du paiement vert qui disparaît et les obligations liées au paiement vert vont rentrer dans la conditionnalité des aides. Je rappelle que la conditionnalité des aides, c'est des obligations qui sont obligatoires pour une partie des exploitants, pour tous les exploitants qui demandent la PAC. Certains sont exemptés, on parlera du public qui est potentiellement exempté par certaines conditionnalités. Et donc, c'est un panel d'exploitants qui est contrôlé tous les ans et qui subit ou pas des pourcentages de prélèvements parce que la réglementation n'est pas respectée. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, par rapport dans la conditionnalité, donc, il y a les BCAE, les bonnes conditions agro-environnementales, qui sont au nombre de 7, donc colonne de gauche en bleu, en bas. Donc, il y avait les bandes tampons le long des cours d'eau, les prélèvements pour l'irrigation, la protection des eaux souterraines contre la pollution, la couverture minimale des sols, la lutte contre l'érosion, le maintien de la matière organique des sols, le maintien des particularités topographiques. Tous ces BCAE continuent d'exister. En 2023, elles changent de nom, on change de numéro, mais elles continuent d'exister comme aujourd'hui. Par contre, dans le verdissement, dans le paiement vert, il y avait donc quatre obligations qui sont supprimées du point de vue du paiement vert, mais qui vont rentrer dans la conditionnalité des aides. Elles sont au nombre de quatre. Il y a le maintien des prairies permanentes, l'interdiction de labourer les prairies permanentes sensibles, l'obligation d'avoir 5% de SIE et d'avoir une diversité d'assolement. Toutes ces obligations, hier, en tant qu'exploitant bio, sur 100% de votre surface, vous étiez exempté de ces obligations. Mais pour 2023, une partie de ces obligations vont devenir obligatoires. Donc, je vous propose de commencer par... Bon. Merci de votre réaction. Donc, une partie de ces obligations, donc je vais commencer par le maintien du ratio sur les prairies permanentes. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de référence individuelle qui existe pour les exploitants. Il y a, depuis 2015, une référence régionale au niveau du nombre d'hectares de prairies permanentes par rapport à la SAU régionale. Si ce ratio baisse, aujourd'hui, 2022, s'il baisse de plus de 2,5%, il faut demander l'autorisation pour pouvoir labourer des prairies permanentes. S'il baisse de plus de 5%, il faudra réimplanter des prairies permanentes qui auront été labourées. Il y aura une nouvelle année de référence qui sera prise en compte. Ce sera 2018 par rapport à 2012. Donc aujourd'hui, c'est 2012 qui faisait foi. Pour 2023, ce sera 2018 qui fera foi. Pour l'instant, au niveau régional, le ratio a plutôt augmenté que baissé. Donc au niveau régional, au niveau de la région centre, on n'a pas eu de problème à labourer des prairies permanentes. Tous les exploitants ont pu labourer des prairies permanentes et cultiver en fonction de ce qu'ils souhaitaient faire. Donc demain, étant exploitant bio, vous êtes soumis à cette conditionnalité, mais pour l'instant, elle n'a pas été problématique sur 2015-2022, après avoir pour 2023-2027, si au niveau régional, il y aurait une baisse importante de surface. Mais pour l'instant, ça n'a pas été du tout le cas. Avec cette BCAE 1, il y a aussi donc la BCAE 9, le maintien des... Diapo suivante, s'il te plaît. L'interdiction de labourer les prairies sensibles. Je rappelle ce que c'est qu'une prairie sensible. C'est une prairie permanente qui, si on regarde colonne de gauche, qui était déclarée à la PAC en 2014 en tant que prairie permanente, PPH, et qui était présente en zone Natura 2000.
Donc, toutes ces prairies sont sanctuarisées avec interdiction de labourer. Il faut les laisser en herbe, interdiction d'y entreposer du matériel, d'y mettre des tas de fumier, des choses comme ça. Donc, cette obligation continuera d'exister. Par contre, là où les bio étaient exemptés de cette obligation, demain, à partir de 2023, il faudra garder en place ces prairies permanentes sensibles. Donc, si vous voulez les voir sur votre portail Télépac, on les voit, on peut cocher une case et puis sur votre assolement, on peut les voir. Elles arrivent en violet sur votre assolement et puis vous pouvez voir quelles sont les prairies permanentes sensibles qui existent sur vos exploitations. Donc, généralement, c'est des prêts de fonds et pour ma part, sur le département, j'ai rarement des problèmes de labour de prairies permanentes sensibles. Mais à vous de voir sur vos exploitations. Ensuite, donc, la BCAE 7 qui obligeait à avoir une diversité des cultures. Donc, j'en parle aujourd'hui pour les conventionnels, ils avaient une obligation d'avoir 3 cultures différentes. Demain, il y aura un scoring qui sera calculé par rapport à votre assolement. Et on n'en sait pas beaucoup plus, dans le sens où ce qui est dit, ce qui est en gras, colonne de droite, on regarde le cas général, qu'il faudrait avoir plus de 2 points sur une base d'un scoring qui pourrait ressembler à ce que Franck vous a proposé. Donc, on va dire 2 points, ça veut dire avoir une céréale de printemps et une céréale d'hiver, ou une céréale d'hiver et un oléagineux de printemps. Donc, ça ne semble pas trop contraignant, mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, et tout en sachant que les bio, donc 100% des surfaces en bio, sont exemptées de cette obligation d'avoir une rotation des cultures. Pour les bio partiels, faudra attendre de voir quel est ce scoring pour qu'on voit si ça peut poser problème pour les exploitants en conversion, enfin, qui sont en bio partiel. Donc, mon exemption, c'était écrit sur cette diapo-là. Et puis, il y a tous ceux qui ont plus de 75% en herbe ou moins de 10 hectares de terres arables qui sont aussi exemptés de cette obligation. Donc, si vous avez moins de 10 hectares de prairies temporaires plus culture, vous êtes aussi exempté. Ou si vous avez plus de 3/4 de votre surface en herbe, vous êtes exempté. Voilà. Et puis, la dernière BCAE, la BCAE 8, qui est le maintien d'éléments de paysage et l'obligation d'avoir des surfaces non productives, qui est à mon sens une des contraintes peut-être les plus importantes en bio, enfin une grosse nouveauté aussi. Hier, un exploitant conventionnel devait avoir 5% de ses surfaces en SIE, surface d'intérêt écologique, c'est-à-dire des mares, des bosquets, des dérobés SIE, des jachères. Et donc demain, PAC 2023, il faudra que sur vos terres arables, vous ayez au moins 4% de votre surface de terres arables consacrée à des éléments non productifs. Et quand je dis éléments non productifs, donc c'est jachère, haies, mares, bosquets, bordures, bandes tampons, des choses comme ça. Ou alors, d'avoir 7% de vos terres arables consacrées à des éléments ou surfaces non productifs, ainsi qu'à des surfaces, à des cultures dérobées, ou des plantes fixatrices d'azote, cultivées sans phyto, mais vous êtes bio, donc vous n'en prenez normalement pas, dont plus de 3% sont en jachère ou en autre élément non productif. Donc, je vais prendre la diapo d'après, donc la liste des éléments non productifs, des IAE, des infrastructures agroécologiques. Donc, vous voyez en colonne de droite ce qui est en vert, donc les jachères mellifères, les jachères non mellifères, les bandes tampons, les bordures de champs, les bandes le long des forêts sans production, de même que les arbres, et les bosquets, les mares, les fossés. Tout ça, ce sont des éléments qui existent sur vos déclarations PAC, qui sont numérisés, et qui, donc, où il y a des équivalences qui existent, c'est-à-dire qu'un kilomètre de haie vaut un hectare. Une jachère normale vaut un hectare de jachère. Normal vaut un hectare de IAE. Voilà. Donc, j'ai pris un exemple sur la diapo d'après. Donc, pour quelqu'un qui a 210 hectares, donc on regarde les prairies, on regarde uniquement les terres arables. Donc, on note tout ce qui est culture permanente et prairies permanentes.
Donc, j'ai sur mes 210 hectares, j'ai 10 hectares de prairies permanentes. Donc, on va regarder les 200 hectares. Vous avez le choix entre deux choses. Soit je regarde, je souhaite avoir 4% de mes IAE, donc pardon, je le refais, soit sur mes terres arables, je souhaite avoir 4% d'IAE, donc ce qui correspond à 8 hectares de jachère ou 5 hectares 34 de jachère mellifère parce que 1 hectare de jachère mellifère vaut 1 hectare et demi d'IAE ou 8 km de haie parce que 1 km de haie vaut 1 hectare. Donc soit j'ai 4%, soit je choisis d'avoir 3% d'IAE plus 4% de surface fixatrice d'azote ou de dérobé. 3% d'IAE, donc je réduis mon nombre d'hectares de jachère mellifère, de haie. Mais en plus, il me faut des dérobés SIE. Et les dérobés SIE, ce sont soit des... Donc, c'est un mélange de deux espèces qui doit être semé. Je ne connais pas les dates d'implantation, mais globalement, au niveau régional, on est souvent, on va dire, fin août, enfin 15 août, 15 octobre. Il faut que ça ait été semé, il faut que ça lève pour pouvoir répondre au cahier des charges des dérobés SIE. Et puis, il y a une liste bien établie de couverts éligibles à ces dérobés SIE. Donc, soit ce sont des dérobés SIE, soit ce sont des légumineuses, donc des cultures fixatrices d'azote, produites sans phyto. Donc, sans phyto, ce n'est pas forcément un problème pour les bio. Donc, ça peut être soit des luzernes, des protéagineux, tels que le pois, la févrole. Ça peut être aussi des mélanges de légumineuses et de graminées, des MLG au niveau de la PAC, ou des mélanges de protéagineux et de céréales, tant que les protéagineux sont dominants dans le mélange, et toujours sans phyto. Donc après, c'est un choix à faire pour chacun de vous, à savoir ce que vous avez déjà sur vos exploitations, est-ce que vous avez déjà chair, est-ce que vous avez déjà des haies, est-ce que vous avez déjà des éléments de paysage suffisant sur votre territoire pour on organise des formations au niveau de l'Indre et pour on va dire les exploitants qui a si, sur les exploitations dans un secteur plutôt bocager pour beaucoup ils ont déjà plus de 4% d'IAE qui sont essentiellement des haies, des arbres et ainsi de suite. Donc cela il n'y a pas peu importe le changement. Par contre pour d'autres qui ont moins d'éléments topographiques, on va regarder, pour certains, il va y avoir une obligation de réimplanter des jachères. Donc, pour comptabiliser tous les éléments, tous les IAE qui existent sur vos déclarations PAC, donc toutes les haies sont numérisées, toutes les jachères, ça vous les déclarez en tant que parcelle, tous les bordures de champs sont déclarées en tant que parcelle. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'à la PAC 2022 qui arrive, Télépac, de manière automatique, calcule de lui-même tous les SIE qui existent. Aujourd'hui, vous avez le choix de ne pas déclarer de SIE quand vous faites votre déclaration PAC. Télépac vous pose clairement la question, est-ce que vous souhaitez ou non déclarer des SIE. Comme vous êtes en bio, vous pouvez très bien ne pas en déclarer, mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est à en déclarer, de voir qu'est-ce qui existe sur vos exploitations. Comme ça, vous verrez administrativement ce que Télépac et ce que l'administration peuvent comptabiliser en IAE sur vos exploitations, et ça vous permettra d'avoir un diagnostic de départ, savoir où vous êtes, est-ce que vous en êtes à 3%, est-ce que vous en êtes déjà à 4% et au-delà, pour pouvoir comptabiliser ce qu'il y a comme IAE sur votre exploitation. Donc, les haies nouvellement plantées, ma DDT me dit qu'on peut les comptabiliser dans le sens où il n'y a pas forcément de... Enfin, il faut que la haie existe. Après, j'invite chaque exploitant à aller poser la question à sa propre DDT parce que j'ai peur qu'il y ait des différences d'interprétation entre les agents DDT. C'est-à-dire que si j'ai une haie avec, on va dire, des sillons tous les mètres, est-ce que ça ne se verra pas en cas de contrôle aérien? Donc, est-ce que ça posera des problèmes? Ma DDT me dit que non. Après, je vous invite à poser la question clairement à votre DDT pour avoir une trace et être couvert en cas de contrôle.
Alors, il y avait peut-être aussi une question, enfin, c'est pas peut-être, il y a une question sur la BCAE 6. À savoir, est-il désormais interdit de labourer à l'automne les parcelles qui seront implantées au printemps? Interdit de labourer à l'automne les parcelles qui seront implantées au printemps. Si la c'est Céleste. Je ne vois pas, je ne comprends pas trop le cas. Et soit, Estin, tu poses la question de manière orale, soit. Parce que je... Oui, bonjour. Bonjour. Salut. Oui, j'appelle Céleste. Donc, je vous pose la question par rapport à un agriculteur qui l'avait posé lors d'une assemblée générale. Et donc, il avait demandé, des fois pour les cultures de printemps, on laboure à l'automne, mais on ne sème pas directement. Donc, étant donné qu'on n'a plus le droit de laisser des sols nus durant l'hiver, est-ce qu'on n'a plus le droit, du coup, de labourer cette terre pendant la période automnale? Après, donc, ça dépend essentiellement de la directive nitrate, si on est soumis ou pas en zone vulnérable nitrate. Dans le sens où ceux qui sont en zone vulnérable doivent implanter un couvert avant une culture de printemps, que ce couvert doit être, je ne suis pas un spécialiste de la directive nitrate, mais il me semble que le couvert doit être présent 2 mois et qui peut être labouré après le 1er octobre. Mais la directive nitrate, je crois qu'ils sont en train de revoir un peu les choses. Ouais, donc pour l'instant, voilà la réglementation actuelle, mais ça peut évoluer prochainement. Ok, merci. Il y avait aussi une question sur les arbres, les haies et les mares qui sont présents sur une prairie permanente, à savoir si elles sont prises en compte ou pas. Non, ce sont effectivement sur les terres arables. Donc, terres arables, c'est les prairies temporaires de moins de 5 ans et les cultures. Donc, tout ce qu'il y a sur mes prairies permanentes ne compte pas. Donc, comme ce n'est pas présent sur le... C'est-à-dire que si, dans mon exemple, avec une SAU de 210 hectares, contrario, j'avais 10 hectares de culture pour 200 hectares d'herbe en prairie permanente, on regarderait que mes 10 hectares de terres arables. Là-dessus, il me faudrait 4%. Donc, 4%, ça me fait 40 arts. Donc, il me faudrait 400 mètres de haies sur mes 10 hectares pour répondre à cette BCAE-là. Okay. Donc, on ne les prend pas en compte, mais on ne les pas, enfin, les 4% ne se calculent pas non plus sur mes prairies permanentes. Ça permet de réduire l'obligation d'IAE, d'avoir moins d'IAE sur vos surfaces. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, peut-être pour compléter la première réponse tout à l'heure concernant la directive nitrate, merci Pauline pour la précision que le couvert doit bien être en place actuellement sous la réglementation actuelle, être présent 2 mois et jusqu'au 30 octobre. Voilà. Je regarde s'il y a une dernière. Alors, c'est... Oui, alors, déjà, c'est très technique. Ouais, vas-y, si tu veux. Il y a M. Roisin du 89, quid déjà cher avec des aides conversion. Donc, que ce soit aide à la conversion ou pas, peu importe. Donc, on est sur la conditionnalité. C'est-à-dire que donc, elle compte dans mes IAE, qu'elle soit ou pas aidée par des aides à la conversion. Et puis, il y a Ludovic Calu qui posait la question sur les prairies temporaires riches en légumineuses, donc que rien ne changeait sur le domaine. Je crois que la remarque a été faite au moment de la transition entre éco-régime et BCAE. Sur l'éco-régime, ça compte bien dans les prairies temporaires, vis-à-vis de l'éco-régime sur les pratiques agricoles. Après, par contre, sur l'aide couplée aux légumineuses fourragères, ce type de prairie-là sera éligible la première année pour l'aide couplée aux légumineuses fourragères. On ne l'a pas dit tout à l'heure parce qu'on n'a pas fait le détail de toutes les aides couplées. Mais ça, donc oui, il y a un petit changement quand même pour ces surfaces-là. Elles sont éligibles la première année à l'aide aux légumineuses fourragères. Donc vous toucherez 150 euros de l'hectare, mais uniquement la première année d'implantation. Les années d'après,
comme il y a des graminées dedans, il n'y aura plus d'aide. Je crois que je dirais. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Donc, je vous propose que l'on passe dans ce cadre-là. Alors, il y avait peut-être cette dernière diapo pour le maintien sur la BCA8 encore. Oui, pardon. Donc, il y a toujours ceux qui ont plus des trois quarts de leur surface en herbe qui sont exemptés de cette obligation d'avoir 4 ou 3% d'IAE. Tous ceux qui ont moins de 10 hectares de terres arables ne sont pas soumis. Et puis, il existe, mais ça existait par la BCAE7 aujourd'hui, toutes les haies, les mares, les bosquets sont protégés depuis le 1er janvier 2015 avec une obligation de maintien depuis 2015 pour toutes les haies de moins de 10 mètres, demain pour tous les bosquets de moins de 50 hectares, d'un demi hectare, et pour les mares de 10 à 30 hectares, avec une interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification des oiseaux qui est aujourd'hui du 1er avril au 31 juillet. Voilà. Merci pour ces précisions complémentaires. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer côté deuxième pilier et sur le volet évolution concernant les aides à la conversion. Donc là, on vous a remis les différents éléments et les évolutions prévues concernant les montants unitaires. Donc, comme vous allez rapidement le voir, on reste sur à peu près les mêmes tendances, sauf concernant les cultures annuelles, les surfaces en jachère et par dérogation les surfaces en légumineuses fourragères et mélanges composées d'au moins 50% de légumineuses à l'implantation, et les semences de céréales, protéagineuses et semences fourragères qui voient leur montant unitaire passer de 300 euros hectare à 350 euros hectare. Pour le reste, on reste sur les mêmes modalités que la programmation PAC 2015-2022, avec le volet de lande et estive et parcours avec un chargement nécessaire de plus de 0,2 UGB par hectare, chargement identique nécessaire pour les prairies. Et concernant les autres surfaces de culture spécialisées, que ce soit les surfaces viticoles, les plantes à parfum et médicinales, les cultures légumières ou les surfaces en maraîchage, les montants unitaires sont prévus d'être maintenus dans la même grandeur. Ensuite, pour toujours ce qui est là non plus les modalités de paiement hectare, concernant les engagements, on reste sur un engagement pluriannuel sur 5 ans. Concernant l'éligibilité des surfaces en première année, on est sur des cultures en première année de conversion ou deuxième année de conversion. Et pour ce qui est des plafonnements, on reste sur des modalités similaires, c'est-à-dire un plafonnement. Actuellement, en région, le plafonnement des aides à la conversion sont de 20 000 euros. Là, je ne parle pas des exceptions potentielles liées aux zones à enjeux hauts et de cofinancement via les agences de l'eau. Pour ce qui est de la future PAC, à l'heure actuelle, le plafonnement et le montant ne sont pas définis. Donc, je ne pourrais pas vous apporter des éléments de ce côté-là. Il est encore tôt pour apporter ces éléments de précision. Donc, il y aura un plafonnement, mais à l'heure actuelle, on n'en connaît pas le montant. Ensuite, donc là, je voulais parler des aides à la conversion dans le cadre des aides européennes. Ensuite, pour ce qui est, je vais un peu m'éloigner de la PAC en tant que telle, mais pour élargir aux autres modalités de financement spécifiques à l'agriculture biologique. Donc, parmi les autres aides, nous avons le crédit d'impôt. Donc, 2022, dont vous avez sans doute déjà connaissance avec l'obligation d'avoir au moins 40% des recettes en bio, un montant de 3500 euros, un cumul possible avec les aides à la conversion et les aides au maintien dans le cas où l'aide au maintien existe toujours.
Le lien avec les GAEC et la possibilité jusqu'à 4 associés. Et toujours la même chose concernant le crédit d'impôt, le respect des règles de minimis. Pour ce qui est des années à venir, pour les années 2023 à 2025, on reste sur des modalités et des conditions similaires, donc autour, concernant les recettes en bio. Et le montant a été revalorisé à 4 500 euros, avec le cumul possible avec les aides à la conversion, avec une limite et un plafonnement. Et ensuite, on reste sur des modalités similaires concernant les GAEC et les minimis. Donc voilà, à retenir, pour ce qui est du crédit d'impôt, il sera maintenu jusque 2025 avec une revalorisation de son montant à 4 500 euros. Voilà. Ensuite, et là, il faut rester très prudent parce qu'encore une fois, ce sont des choses qui ne sont pas totalement actées et pour un certain nombre de mesures, le budget reste très limité. Donc là, c'est pour vous donner des grandes lignes, mais il faudra rester en veille sur ces sujets, puisqu'à l'heure actuelle, ça reste encore de l'ordre de la discussion. Donc là, on revient sur les aides PAC, mais non spécifiques bio, donc les autres volets du second pilier qui concernent les MAEC. Donc parmi les éléments en discussion, on a les MAEC surfaciques et territorialisées, avec grosso modo une approche classique, avec un catalogue par région de modalités d'aide. Et une nouveauté, et sur cette nouveauté, moi je redis, il faut rester très prudent parce que les modalités ne sont pas totalement précisées encore et le budget sera très, très, très limité. Concernant un nouveau format de MAEC, les MAEC forfaitaires. Donc voilà. Donc c'était pour vous donner un aperçu complet, sachant que sur ce dernier volet et les MAEC, voilà, les choses restent encore à préciser. Et actuellement, nous n'avons pas tous les éléments définitifs. Sachant que, comme évoqué au tout début de réunion, le plan stratégique national sera précisé et validé au niveau de l'Union européenne, plutôt courant de l'été de cette année. Donc, pour ce webinaire, on en a fini. On va peut-être prendre les quelques questions sur ce dernier volet concernant les aides à la conversion. J'avais une question, Elodie, notamment sur les plafonds. Les plafonds, si tu as la réponse, ça concerne la France ou c'est par région? Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, on reste sur un plafonnement décidé en région avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire avec le conseil régional, avec les acteurs agricoles, avec l'État. Donc notamment, ce sont des choses qui sont discutées en commission régionale. Des démarches entre régions cherchent à essayer d'harmoniser ces plafonnements, mais pour l'instant, il n'y a aucune garantie de plafonnement équivalent entre régions. Donc, c'est une demande et un souhait de certains acteurs. Actuellement, à date, on ne peut pas garantir ni donner ce type de précision ou, par rapport à un plafonnement équivalent entre régions. Okay. Il me semble que c'était tout sur ton sujet, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Il y avait aussi des précisions d'Angelin sur les différents dispositifs. Et en effet, typiquement, j'évoquais très rapidement et avec beaucoup de prudence la question des MAEC forfaitaires. Ça, elles sont bien spécifiques à chaque région également. Et en cours de discussion, les modalités, les pratiques qui seront prises en compte dans chaque région ne sont pas encore totalement définies. En tout cas, en région Centre-Val-de-Loire, elles ne le sont pas encore. Alors, je regarde. Il y avait peut-être juste une réponse concernant
Une question concernant, alors là, sur les plantations de haies, à savoir comment procéder, je pense que ça revient aux modalités de mise en œuvre pour répondre notamment à l'éco-régime, à savoir s'il faut se rabattre sur le plan de relance, et s'il y a des accompagnements à l'échelle nationale ou régionale. Ça, je ne sais pas si Mathieu ou Franck, vous pouvez. Il y a eu des appels à projets. Je ne sais pas s'il reste encore au niveau régional des financements possibles. Personnellement, pour l'Inde, je sais que sur certains territoires, il y a des PSE, des plans de soutien. Bon, je ne sais plus ce que ça veut dire PSE, mais il y a des PS, des sur certains territoires, il y a des enveloppes qui permettent de financer à 100% la plantation de haies. Après, d'où vient l'argent, je ne sais pas. Il y a notamment le plan de relance, en effet. Caroline précisait que c'est encore possible au niveau de la région centre. Merci Pauline. Donc PSE, paiement pour services environnementaux. Alors, il y a une question qui concerne en effet la problématique de l'aide au maintien dans la future programmation. Il n'y aura que l'aide à la conversion. En effet, pour l'aide au maintien, comme vous le savez tous, elle a été supprimée dans un certain nombre de régions depuis quelques années. Certaines régions ont fait le choix de le maintenir avec un budget propre, donc qui ne permettait pas non plus de couvrir toutes les demandes. Pour ce qui est de la future programmation, le choix du gouvernement était pris de l'orienter sur l'aide à la conversion et non plus l'aide au maintien. C'est pour ces raisons également que, y a une demande renforcée, notamment de pouvoir augmenter, même si ça ne couvrira pas l'absence sans doute des aides au maintien, du montant du crédit d'impôt. Voilà pour ce sujet. Alors, s'il n'y a plus de questions, en tout cas, je vous remercie pour toutes vos questions et vos interventions. On vous mettra à disposition le replay de ce webinaire. Pour les quelques questions qui ont été posées, on en fera un apport de réponse. Le support aussi sera mis à disposition. On vous tiendra au courant par mail de où trouver l'information. Ce sera sans doute déjà dans un premier temps mis en ligne sur les différents sites des chambres départementales et de la chambre régionale. Et puis, si vous avez des questions complémentaires, vous avez affiché à l'écran et vous l'aurez sur le support les différents contacts à la fois de vos référents en chambre départementale côté PAC et côté bio. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur un projet que vous avez soit de conversion, soit en bio tout court.